Bonjour Thierry. Et salut Jean-Michel, j'espère que vous êtes prêts. Pas du tout Thierry, pas du tout. C'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de commenter des matchs de foot, tout ce qui est ski, tout ça, on y connaît. Est-ce qu'on passe tout de suite à l'interview des sportifs? C'est quoi les poteaux de corner sur la piste là? Alors je suis avec Pierre, notre futur champion en saut acrobatique à ski. Alors Pierre, tu es prêt pour aujourd'hui? Oui, j'ai prêt. Non mais je veux dire, est-ce que tu as une stratégie? Tu as préparé tes sauts Oui, j'ai skié, Bon, on n'a plus le temps, ça va bientôt être le début de l'épreuve, on te souhaite bonne chance Pierre. Oui. Alors, on est avec Célestin Flanchon, le doyen des sportifs olympiques. La victoire est à ta portée. Comment? Penses-tu pouvoir gagner malgré ton grand âge? Bien sûr que je peux gagner. Je ne suis plus très jeune, mais je peux encore... D'accord, mais d'après toi, qu'est-ce qu'il faut faire pour battre tes adversaires, notamment Peter Pearson, l'Américain? C'est pas compliqué, il faut que j'aille au WC. Ah oui. On laisse Célestin Flanchon se préparer. Où sont mes chaussons? Alors je sais que Fiona Fessard, qui est peut-être notre future championne olympique de patinage artistique. Fiona, tu penses y arriver pour ces Jeux? Oui, bien sûr, c'est moi qui vais gagner. De toute façon, je suis la plus belle. Personne ne peut avoir ce titre à part moi. D'accord, mais tu t'es un peu mieux préparée qu'aux Jeux de 1980, où il y a eu quelques incidents? Oui, j'ai appris à me maquiller, à me coiffer, et puis j'ai la plus belle des tenues. Non, mais je veux dire, physiquement, les sauts, les figures, tu t'es entraînée? Bah non, j'ai pas eu le temps. Puis c'est pas important de toute façon. Bon, d'accord. Bah écoute, on a interviewé ton entraîneur, justement. On va regarder les images, et puis tu vas nous dire ce que tu en penses. Regardons. Je suis l'entraîneur de Fiona, oui, parfaitement. Elle a commencé le patinage à l'âge de 3 ans, oui. N'y arrivait pas du tout, non. Pas du tout. À 10 ans, tout a changé, oui. Non, n'y arrivait toujours pas, mais j'ai compris une chose très importante. Il faut jamais abandonner, il faut jamais arrêter. Même avec une scoliose, une jambe de bois, il faut poursuivre son rêve, oui. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce qu'a dit ton entraîneur? Il a pas tort sur un point, c'est vrai qu'à 10 ans, je galérais vraiment. Mais maintenant, ça va mieux. Oui, j'ai suivi des tutos de maquillage, j'ai appris à me coiffer. Mais niveau patinage, je veux dire... Bah écoute, on te souhaite bonne chance pour ces Jeux. Merci beaucoup, et puis de toute façon, je suis convaincue que je vais vous éblouir. Ah, c'est parti pour les Winter Games, les Jeux Olympiques. Donc, on va pouvoir commenter ces superbes épreuves ensemble, n'est-ce pas Jean-Michel? Oui, tout à fait. Le ski, l'alpinisme... C'est pas ça du tout. Il y a du patinage artistique, du saut acrobatique, du bobsleigh, de la course de patinage. Que des trucs qu'on n'y connaît rien, d'ailleurs. Alors, pré-start... Voilà. Ah, c'est beau. Alors là, on admire un petit peu la cérémonie. Ah, c'est la flamme olympique. Ah, c'est Bobby Johnson, donc qui va allumer la flamme. Dans sa superbe tenue disco. On dirait un cocktail Molotov. C'est peut-être le russe, finalement. Je ne vois pas grand-chose. Ah là là. Alors par contre, le son... Et les colombes de la victoire. Ah oui, c'est... Ouais. C'est beau. C'est long, hein, comme toutes les cérémonies. Alors, one event, ok, alors, on y va, dans un événement. Est-ce qu'on deuxième... I need the Energizer too. Allez. Merde, c'est un espace. Oh là là, c'est beau. Quelle douce mélodie. Ah, j'ai déjà entendu ça quelque part. À mon oreille. Donc c'est ceci. Alors, on y va, on va regarder.
ce que fait Pierre Palissade en saut acrobatique. Oh, il a pas beaucoup d'élan, hein, déjà. Alors, c'est beau. Allez, il appuie. Oh, c'est beau. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Ah, il y a un magnifique replay, allez, là. Et on voit qu'il y a eu un petit problème avec le français. Ah, bon. Oh, mais quelle belle réception. Oui. Un pauvre Pierre Palissade, il était littéralement à côté de ses skis. Ah, ça c'est vrai, on peut dire qu'il a déchaussé. Ah ouais, la chaussure, le ski, c'est parti dans tous les sens, c'était une catastrophe. Il a perdu sa chaussure, ses dents et sa femme. Ouais, c'est vrai qu'on l'a vu partir avec l'américain Bobby Johnson. Ouais, c'est vrai qu'il va vite, pas que dans les descentes celui-ci. Ah là, mais ça bon, ça ne nous regarde pas. Hein. Oui, on peut dire que ça glisse pas que sur la piste. Allez, ton ski, tu l'as fixé ? Alors Pierre, explique-nous un peu ta performance. Oui. J'ai skié. J'ai tombé. J'ai relevé. J'ai tombé. C'est beau ce que tu nous dis là, c'est un peu une métaphore de la vie, c'est touchant je trouve. Oui. J'ai touché. Mais comme on dit, c'est toujours la faute des Français. Et il a mis un A. Alors mets deux S après le A au moins, hein, qu'on rigole. Ça va vite là. Deux S. Voilà. As. Hein ? On fera pas la traduction française, vous irez chercher dans le dictionnaire. Et comme disait Solar, je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. Voilà. Et il se l'est pris dans l'as. Alors. Ah, ben le patinage artistique, c'est superbe, avec la française Fiona Fessard. Ah, très très courte, cette jupe. Alors, on la regarde. Je suis pas sûr qu'elle se soit très bien préparée, on a quelques inquiétudes. Ah, quelle élégance. Quelle beauté. Concentration. Ah, c'est vraiment très très joli. Allez, on prend un peu d'élan, qu'est-ce qu'elle va nous faire ? Pour l'instant, elle fait la belle, hein. Je connais pas les noms des figures, mais je cherche un truc un peu plus... C'est qu'elle glisse. Elle prend pas de risque. Alors, on essaye A, B, la flèche du haut, tout ça. Ah. Ah. Ah mince. Oh là là, non, mais qu'est-ce qui lui arrive? Je pense qu'elle a essayé de sauter et qu'elle n'y arrive pas. Je pense qu'elle a pas pris son 4 heures. Alors, on va essayer des petits quarts de cercle, des demi-cercles, des... Ah, j'ai l'impression que elle a du mal, elle a du mal. Il reste 23 secondes, ça va être très long. On voit un peu ses fesses, hein, j'ai l'impression là. Oui, je crois que ça fait partie de la. De l'art, de la note artistique. Ah d'accord. Bon bah, je pensais pas que j'allais apprécier ces sports d'hiver, mais finalement, on me donne des belles choses à voir. Bon, à part la performance, qui est absolument pitoyable, je n'ai jamais vu un athlète tomber autant. J'ai l'impression qu'elle essaye de réchauffer la patinoire. Mais est-ce qu'elle va réussir à sauter au moins? C'est ça que... Allez, c'est fini. Il lui reste une seconde pour faire quelque chose. Ah bah mince alors. Alors ça c'est dommage. Ah par contre le finish... Ah très beau, très beau. Ouais, elle a quand même la moyenne. Hein. Non, je crois qu'il y a un point devant. Ça veut dire 0,5. Ah. Oui. Ah non, ça... 5,2. Ah, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas sur quoi c'est noté, je pensais qu'il allait y avoir des sauts, des... Il n'a pas réussi à faire un seul saut, en fait. Mais c'est quand même un record. Un superbe athlète, hein. Ah, tout à fait, Thierry. Même si ses capacités en patinage ne sont plus à démontrer, elle est complètement nulle. Ah, ça, Fiona, hein, nous a toujours déçus, elle a toujours été constante dans l'échec. Et eh bien, elle était là où on l'attendait, c'est-à-dire les fesses par terre... complètement voilà, hein, la valser dans tous les sens. Alors Fiona, tu étais absolument magnifique aujourd'hui, mais qu'est-ce qui s'est passé, toutes ces chutes là? D'abord, merci de souligner que j'étais magnifique, c'est très important. Et je ne sais pas, de toute façon, j'étais la plus belle, donc quelle importance ça? Et ton entraîneur, il a pas été un petit peu en colère?
Non, et puis d'ailleurs, je voudrais profiter de ce moment pour le remercier, parce que il sait rien, mais il m'a tout appris. C'est très intéressant, mais je veux dire, à titre personnel, est-ce que tu n'es pas un peu déçu par ta performance ? Non, pas du tout. De toute façon, tant que les gens ont pu m'admirer, pour moi, c'est principal. D'accord, bah écoute, voilà. Elle a échoué aujourd'hui, oui, comme tous les autres jours d'ailleurs, hein, mais j'ai compris quelque chose de très important aujourd'hui. Le patinage, c'est la guerre. Il faut détruire ses adversaires. Et il faut qu'elle élimine physiquement toutes les autres concurrentes. C'est sa seule solution. Si elle est la seule à patiner, elle peut gagner, oui. On va voir donc la performance donc de Célestin Flanchon, le doyen. C'est parti, ça glisse. Oh là là, il tourne. Ouh. Ah, c'est superbe. Allez, appuie un peu plus fort sur la droite, là, à fond à droite. Essaye à fond à droite. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah mince. Ah, ça a coupé. Ah. Bon, bah on verra à l'interview hein, ce qui s'est passé, mais... Deuxième tentative. Oula. Ah, dès le deuxième virage. Ah, quelle catastrophe. On essaye de voir où il est, mais... Ah, mince. Ah, c'était beau. Il s'est envolé comme un oiseau. Il est en faute. On verra l'interview ce qui s'est passé. Ah, sacré Célestin, il veut pas lâcher l'affaire, même s'il se croûte à chaque compétition. Ah, tout à fait, Thierry. D'où son surnom, le crouton volant. Ah oui, c'est pas très flatteur, mais il faut dire que ça décrit assez bien les trajectoires qu'il a tendance à emprunter rapidement, toujours au deuxième virage d'ailleurs, qui lui porte pas chance. Il s'est envolé, on l'a perdu, aucune caméra n'a pu capter ce qui s'est passé, donc on espère qu'à l'interview... Alors Célestin, on t'a vu disparaître en pleine course, un incident ? Non mais c'est mal, les gens en bois, hein, trop légère. Tu es parti en virage, j'ai volé dans les sapins. J'entendais pendant que j'étais en l'air, il y a un gamin qui a dit à son papa « Regarde, c'est le Père Noël, il vole !» En parlant de sapin, on souhaite un très joyeux Noël 1984 à tous nos téléspectateurs. Comment ? On est en 1984, papy. Quoi, déjà ? Oui, déjà. Oh mince, oh merde. Mais il faut que j'aille dire à Josiane que je dois l'épouser. On y va. Ah mais le problème c'est que... Ils sont où tes chaussons, papy ? Ben, je sais pas, c'est l'arabe là, qui me les a... Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ces jeux ? De ces performances de nos amis français ? C'était fascinant. Ah oui, je trouve aussi. Mais c'était bien assez long, déjà. Allez ! Oui. J'invite bien entendu nos téléspectateurs à liker et à commenter via leur Minitel. Je suis pleine de qualité, de toute façon, je le sais. D'accord. Oui, c'est vrai que les sauts piqués... sauts piqués, pizza, on sent qu'il a faim. Pour un saut piqué, c'est pas un ton.